Commence à partir de 1 Samuel 1, le verset 1 Samuel 1, 5 to 5. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 1. 1 Samuel 1, verse 1. 1 Samuel 1 to 5. Il y avait un homme de Ramathaï Toustin, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de l'Éphraïm. Allons-y, verset 2. Il avait deux femmes, l'une, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninia. Péninia avait les enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se présenter devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvait les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel... Elle n'était pas stérile. Hein? C'est l'Éternel qui avait fermé. It's the Lord who had closed a womb. C'est ce que la version anglaise dit. Amen. C'est très important, on reviendra dessus. It's very important, we'll come back to that. Verset 6. Verse 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Lisons Genèse 1, verset 26 à 28. Let's read Genesis 1, 26 to 28. Alléluia. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampaient sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dis avec moi, Dieu créa l'homme Say à son me, image. God created man in his own image. Il le créa à l'image de Dieu. Dis avec moi, il le créa à l'image in de Dieu. In the image of God. Il créa l'homme et la femme. Male and female, he created them. Verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Alléluia, je veux qu'on prie ensemble pour la parole. Prie pour Let's toi. Pray together for the word. Dis Seigneur, je veux recevoir cette Lord, parole au nom puissant de Jésus. Prions ensemble, Église, je veux vous entendre dans Let's le nom de Jésus. Together, Éternel des armées, nous Lord, voulons te hosts, bénir. Père, en ce jour spécial des mères, nous mothers, voulons reconnaître ta grandeur et ta puissance. Nous voulons reconnaître, Éternel des armées, combien de fois tu es bon. Nous voulons reconnaître, Éternel des armées, tes bontés. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour nos mamans. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message apporte la vie à ton peuple. Père, utilise-nous, purifie ce canal que nous sommes et prends toute la gloire. Seigneur, nous nous soumettons à ton règne et nous déclarons que ce jour est béni. Père, nous nous réjouissons en ce jour pour les mamans, les femmes, les filles que tu nous as données et nous prions qu'une double grâce descende sur elles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as dit, amen très fort pendant que tu t'assois. Amen. 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 Dis-moi un bon amen. Give me a good amen. Parce que la dimension de ce message va dépendre de ta réaction. Because the dimension of this message will depend on your reaction. Dis avec moi la femme à l'image de Dieu. Say with me the woman in the image of God. Alléluia. Il y a beaucoup de tests que je peux vous donner, mais je vais vous épargner
un certain nombre de lectures. Je vais simplement expliquer. There are several scriptures I can quote you today, but I will spare you. I'll just limit myself to some few scriptures. Comme je vous ai dit au début, j'ai voulu m'intéresser au mystère qu'il y a entre la femme et Dieu. As I told you at the beginning, I was interested in the mystery between men and God and the woman. Et je me suis rendu compte combien de fois les femmes avaient le pouvoir d'obliger Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire lui-même. And I realized how much women had the power to make God do things he didn't want to do. Si vous prenez l'exemple, par exemple, de la mère de Jésus. If you take the example of the mother of je Jesus. Je suis dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean 2. I am in the Gospel of John, chapter 2. Si vous lisez le verset 3, la Bible dit le vin a eu à manquer. And if you read verse 3, the Bible says that wine was lacking. Et la mère de Jésus vient lui dire il n'y a plus de vin. And the mother of Jesus came to tell him we ran out of wine. Et Jésus répond à sa mère. And now Jesus replies to her. Je sais pas quel enfant africain qui a le cœur de parler comme ça à sa I don't maman. Know which African child can talk to his mother this way. Il ne l'appelle pas mère, il l'appelle femme. He doesn't even call her mother, he calls her woman. Il dit, femme, qui a-t-il en toi et moi? Woman, what does your concern have to do with me? Mon heure n'est pas encore venue. My hour has not yet come. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. And his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Je sais que quand vous lisez ce texte, vous ne comprenez pas l'ampleur. I think when you read this scripture, you don't understand how deep it is. Ça veut dire que ici, c'est le premier miracle de Jésus. This is the first miracle of Jesus. Alléluia. Alléluia. Et nous savons, Pasteur Landry, dans toute chose, the first impression is the best. And we know in all things, the first impression is the best. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas fait first impression, la porte peut rester fermée. When you haven't made the first impression, the door can remain closed. On parle de Jésus ici. We talk about Jesus. Le gars a le pouvoir de marcher sur les eaux. He has the power to walk on waters. Il a le pouvoir de guérir les malades. The power to heal Il a the le sick. Pouvoir de ramener les morts à la vie. The power to bring Mais the son dead to premier life. Miracle, But his first miracle c'est transformer l'eau en vin. Is to transform water in wine. Hello. Hi. Je ne vois pas en quoi donner à boire aux gens glorifie Dieu. I don't know. I don't understand how giving something to drink to men glorifies God. Ça veut dire que tu donnes du vin aux gens pour qu'ils se saoulent davantage. You're giving wine to people for them to be more drunk. Il n'y a rien de glorieux dans ce There's miracle. There's nothing glorious in this miracle. Alléluia. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir If you read the Bible, que Jésus même dit, c'est pas encore son heure. Jesus himself said, this is not my hour, has not come yet. Mais si vous lui demandez, But if you ask him, pourquoi tu as fait ce miracle? Why did you do this miracle then? Quelle sera sa réponse? What will be his answer? C'est ma maman. My mother asked oh, me. Oh, je cherche une église. C'est sa maman qui lui a dit. His mother told him to do it. Ça veut dire que ce n'est pas son heure. It's not his time. Mais sa maman dit, But his mother said, petit, il n'y a pas de vin. Little one, we need wine. Malgré que ce n'est pas son heure. In spite of the fact that his hour has not come. Il fait quand même le miracle. He still does the miracle. Si pour vous c'est simple, pour moi c'est it's pas simple. For you, it's simple. For me, it's not a simple thing. Qu'est-ce qu'il y a pour que Jésus lui-même se plie à sa mère? What is it that Jesus himself will comply to his mother's wishes? Ça veut dire que la maman a un pouvoir que Dieu aussi respecte. Dis amen. The mother has a power that God himself respects. Alléluia. Alléluia. Si c'était moi, If it was me, je n'allais pas commencer mon miracle par ça. I would not have started my miracles with this one. Parce que on reconnaît Jésus comme quelqu'un qui transforme les vies. Mais on le reconnaît pas comme quelqu'un qui transforme l'eau en vin. We recognize Jesus as somebody that transforms life, but not someone that transforms water into wine. Personne se à quel ou à aucun moment on a attaché ce miracle à la vie de Jésus. At no time people put this miracle or linked it to the life of Jesus. Mais c'est ce miracle qui allait introduire Jésus dans son appel. Yet that's the miracle that will introduce Jesus into his calling. Et la personne qui ouvre son miracle, c'est sa mère. And the person opening the miracles is his mother. Ça veut dire que dans la mère, il y a des vertus de Dieu. In the mother, there are virtues of God. Ça veut dire que la mère reconnaissait de quoi son fils était capable quand lui-même, il savait pas de quoi il était capable. The mother recognized what his son was able to do when on he didn't recognize himself. On parle de la femme à l'image de Dieu. We're talking about the woman Parce que at the image dans la femme, of God. Il y a des vertus de Dieu. Because in the woman, we have virtues.
virtues of God. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Jésus lui-même, Jesus himself, il ne savait pas que son temps était arrivé, mais sa mère savait. He didn't know that his time had come yet. C'est comme beaucoup parmi nous, on marche avec Dieu, on ne connaît pas le temps, mais Dieu connaît le temps. As us, a lot of us who walk with God, we don't know the time, but God knows the time. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. J'avais dit amen. Alléluia. Amen. Et elle avait l'habilité de savoir ce dont son fils était capable, même quand lui-même il ne savait pas ce dont il She était capable. She had the ability to know what a son was able to do when himself he didn't know. Vous n'avez pas dit amen. You didn't say amen. Alléluia. Ça veut dire que la maman est devenue le canal que Dieu a utilisé pour activer le ministère de Jésus. The mother became the canal that God himself used to trigger the ministry, to activate the ministry of si Jesus. Si tu as une maman qui prie, faut bénir le nom If du you Seigneur. Have a praying mother, you need to bless the name of the Lord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. I don't know if you're following what I'm saying. Vous savez, il y a des mamans qui connaissent le potentiel de leur enfant. Some mothers know the potential of their children. Malgré que l'enfant lui-même soit frustré, in spite of the fact that the child is frustrated, comme Dieu, elles savent ce que Dieu a mis dans leur enfant. As God, they know what God put in their children. Ça veut dire que malgré la frustration de l'enfant, in spite of the frustration of the child, va continuer de l'encourager comme Dieu parce qu'elle sait ce que Dieu a mis dans l'enfant. C'est pour ça que vous devez comprendre que la chicotte n'est pas toujours la solution. That is why you need to understand that hitting the child is not always the solution. La mère de Jésus, the mother of Jesus, savait que le problème que ces gens avaient, knew that the problem that those people had, il n'y avait qu'une seule personne capable de gérer, c'était Jésus. Only one person could manage it, and that person was Jesus. C'est bon d'enseigner les mathématiques à vos enfants. It's good to teach the maths to your children. C'est bon de veiller sur leur éducation. It's good to watch over their Mais education. Mais enseignez-le que quand la vie sera dure, il y a une autre solution. Qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne veillez pas à ce que vos enfants aillent vers Dieu quand c'est chaud, vous n'avez rien fait. Parce que la vie est faite de difficultés que seulement Jésus peut régler. Alléluia. 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 Il faut apprendre à tes enfants à prier. You need to teach your children how to à cause pray. Ce n'est pas mon message, c'est juste pour vous faire comprendre quelques It's éléments. Just to make you understand. C'est pour that ça is que quand même sermon. Jésus lui dit non, even when Jesus said no, elle ne l'écoute pas. She doesn't even listen to him. Une mère doit être capable de surpasser les impolitesses de son fils et continuer de prier a pour lui. A mother to be able to overcome how rude a son could be and keep on praying for him. Parce que l'enfant peut être impoli à des moments où tu as envie de le gifler. Because the child could be rude at times, you want to slap him. C'est comme nous, lorsque nous comportons Dieu, souvent Dieu veut nous gifler. It's as for us the way we behave with God. God wants to slap us sometimes. Mais par amour, il continue d'intercéder pour nous. Quelqu'un peut me dire amen. He keeps on interceding for us. Elle se tourne vers eux, elle dit, faites ce qu'il vous dira. She turns to people and says, do whatever he asks you to do. J'ai compris que en tant que mère, vous devez enseigner vos enfants à faire ce que Jésus a dit. I understood as mothers, you need to teach your children to do J'ai what pas Jesus amen. Said. I haven't heard an amen here. J'ai pas entendu amen. Amen. Donc, je me rends compte so now I realize que Jésus n'est pas prêt. Jesus is not ready. Mais la maman lui dit, il va faire et il fait. But the mother said he will do and does what he does. Je m'en vais encore dans une autre histoire. I'll go to another story. Est-ce qu'on peut prêcher un peu? Can we preach this morning? Amen. Je vais un peu dans une autre histoire. Là, je suis dans Marc 7. Mark 7. Ça veut dire que la Bible dit que Jésus partit de là. The Bible says that Jesus au verset 24. Mark 7, 24. Jésus partit de là, il s'est retrouvé dans les territoires de Tyr et de Sidon. Écoutez-moi très bien. Listen to me. Et il entra dans la maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Ça veut dire quoi? What does it mean? Jésus a eu un problème avec les Juifs.
Jesus had a problem with the Jews. Donc il allait se cacher. So he went to hide. Sur un territoire où il avait dit à ses disciples de ne pas y aller. On a territory where he told his own disciples not to go. Mais là-bas où il allait se cacher. But where he went to hide. Où personne ne doit le voir. Where no one should see him. Il y a une femme qui le voit quand même. There's a woman that saw him. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Ça veut dire qu'il allait se cacher. He went to hide. Jesus himself dans went le but qu'on ne le voit pas. With the goal not to be seen. Mais malgré qu'il soit allé se cacher. In spite of that. Il y a une femme qui vient, le verset suivant. Next verse, there's a woman who came. Elle allait le dénicher dans son trou. She went to get him, to fetch him in his hiding place. Ça veut dire que les femmes ont des vertus qui sont extraordinaires. Women have extraordinary virtues. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que le gars, il va se cacher. The man went to hide. Mais elle le trouve. She finds him. Quand elle le trouve, and when she finds him, elle ne va pas à cause d'elle-même. She doesn't go because of her. Elle va à cause de son enfant. She goes because of her child. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? But what is interesting, c'est que la Bible dit que c'est une femme grecque syro-phénicienne d'origine. She is a Greek lady, syro-phénicienne. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de rentrer en contact avec Jésus. She has no right to get in contact, get in touch with Jesus. Ça veut dire que de par ses origines, elle peut pas contacter Jésus. Because of her origin, she cannot get in contact with Jesus. Mais à cause de son problème, elle brise tout le protocole et le rencontre quand même. But because of her problem, she breaks the protocols and goes to meet him. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a mises dans les femmes qui ressemblent à lui-même. There are things that God put in women that look like himself. C'est pour ça que lorsque nous sommes hommes, malgré les fétiches de nos familles, malgré qu'il n'y a rien qui puisse intéresser Dieu, il vient toujours vers nous malgré l'opposition. That could interest us, he still come to us. In spite of the opposition. Dieu se comporte souvent comme une femme. God behaves sometimes as a woman. Alléluia. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est que quand elle vient, what I like here is that when she comes, elle ne fait pas partie de l'alliance. She is not part of the covenant. Mais elle vient parce qu'elle a entendu. But she came because she heard. C'est que ce qu'elle a entendu était suffisant pour la pousser vers Jésus. What she heard was it was enough. Je prie ce matin que ce que tu entends de Dieu te pousse à aller vers Jésus. God, we'll oh, il n'y a pas d'église Jesus ici ce matin. Vous me comprenez? Donc, il y a ces choses-là dans les femmes. There's something in women qui me rappelle Dieu. That makes me think of God. Et il a fallu que je j'aille en profondeur. I had to go deeper pour comprendre ce to understand what that thing is. Dis avec moi, commence. Say with me, start. Vous êtes prêts? Are you ready? Lorsqu'on lit Genèse 1, when we read Genesis 1, à partir du verset 26, verse 26, vous devez comprendre, you need to understand, que ce qui se passe ici, ce n'est pas dans le jardin, c'est en dehors du jardin. What happens here is outside of the garden. It doesn't happen in the garden. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. God said, let us make man in our image. Et selon notre, according to our likeness. Je ne vous sens pas. Selon notre, I'm not feeling you. According to our likeness. Ok. Et quand Dieu crée ici, il crée qui? And when God creates here, who does he create? Il crée qui? Who does he create? Il crée l'homme seulement. Does he create only men? Il crée qui? Who does he create? Je vais vous entendre. Il crée qui? I want to hear you say it. Il crée l'homme et he created male and female. Ça veut dire meaning que si vous voulez trace l'origine de la femme, if you want to trace the origin of woman, ce n'est pas son corps. It's not a body. Est-ce qu'on peut aller? Can we continue? Maman Sophie. Maman Sophie. Lorsque Dieu crée l'homme, when God created man, avant qu'il lui donne le corps qu'elle a, before giving her the body she has, il a créé femme. He creates her woman. Ça veut dire que elle est femme avant d'avoir le corps qu'elle a. She is a woman before having the body. Hello. Hi.
Il n'a pas créé la femme à partir de la côte. He did not create the woman from the rib. C'est pour cela que c'est dangereux pour une femme de s'identifier seulement à l'homme. That is why it's dangerous for a woman to be identified only to a man. Je ne sais pas si vous êtes prêt pour moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Are we here? Are we following? Oh, je veux savoir si vous êtes là avec moi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque vous cherchez l'identité d'une personne, when you are looking for the identity of a vous person, devez chercher par ses origines. You need to go to the person's origins. L'origine de la femme, the origin of woman, est la même origine que l'homme, c'est Dieu. Is the same origin of man, and that is God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Can you tell somebody? Ta vraie origine, c'est Dieu. Your true origin is God. Maintenant, suivez-moi très bien. Now follow. Quand Dieu les a créés en esprit, when God created them in spirit, la parole de ce qu'il dit, soyez bénis. He said, be blessed. Ce n'est pas rattaché à l'homme seulement, c'est rattaché aux deux. It's not linked only to man, it's linked to both. Man multipliez and woman. Là. Multiply, c'est aussi rattaché à la femme. Is also linked to the woman. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu a prononcée était pour les deux. The blessing was for both. La femme ne doit pas attendre l'homme pour être bénie. Elle est bénie avant de rencontrer l'homme. The woman should not wait for a man to be blessed. She's blessed before meeting man. C'est après la chute. It's after the fall que tout a changé. That everything changed. Donc, la femme a deux natures. So the woman has two elle natures. A sa nature spirituelle the qui vient de Dieu. Nature coming from God. Elle a sa nature physique qui vient de l'homme. And a physical nature coming from men. On peut enseigner? Can we teach today? On peut enseigner? Can we teach? Est-ce qu'on peut enseigner? Can we teach? Lorsque Dieu les crée, now when God created them, il leur donne les deux un mandat. He gives them a mandate. Le mandat de réussir, ça ne appartient pas à l'homme seulement, ça appartient aussi à la femme. The mandate to succeed doesn't belong to men only, it also belongs to women. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu les bénit. So God blesses them. Lorsque vous prenez un téléphone, when you take a phone, vous allez download des applications, n'est-ce pas? You go and download some apps. C'est ces applications qui vous donnent de manipuler le téléphone, on est d'accord? Those apps enable you to manipulate donc quand the Dieu phone, les bénit, so when God blesses il them, met en eux des applications qui doivent le représenter lui. He puts in them some applications that must represent him. Oh, vous comprenez pas. Ça veut dire que en la femme, Dieu a mis des choses qui le représentent lui. In woman, God put some things that represent him. Donne-moi un beau amen. Give me a good amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, that means, ce qui fait que tu es femme selon Dieu. What makes you woman according to God? C'est pas le mari que tu as marié. It's not the husband you married. C'est pas le corps que tu it's as. It's not the body you have. Mais c'est l'image qu'il a mis en toi de lui. But it's the image that he put in you of him. Je pensais qu'il allait avoir des femmes ce matin. I thought we have some women this morning. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que vous êtes différent d'un homme. What makes you different than a man? C'est pas vos attributs physiques. It's not your physical attributes. C'est la nature de Dieu. It's the nature of God. Parce que quand Dieu vous crée, because when God creates you, il est lui-même de nature. He's himself is two natures. Il est en même temps un père. He's a father. Il est en même temps une mère. He's also a donc mother. Dans l'homme, so il met sa nature de père. Et dans la femme, il met son côté de mère. Side of mother. Hello. Hi. Je sens que la parole sera chic. I can feel that the word will be sweet today. Alléluia. 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 Donc, il y a une image de Dieu dans la femme que la femme doit retrouver. There is an image of God in the woman that a woman must find. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'histoire de Déborah, that's why when you read the story Pastor Moses, of dans Juges 4, in Judges 4, à partir du verset, je crois, 5 par là, verse 5, quand la Bible parle de Déborah, when the Bible talks about Deborah, non, va au verset 4, verse 4, la Bible dit, dans ce temps-là, Déborah, la prophétesse, Deborah, a prophetess. Oh, où sont les femmes?
What a woman today. Il ne commence pas par dire Déborah, la femme de Lapidote. He doesn't start by saying Deborah, the wife of Lapidote. Parce que lorsque Dieu regarde la femme, because when God il la regarde toujours woman, à partir du jour où il a créé. He looks at the day he created her. Et la Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi comme prophète. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, à chaque fois qu'il regarde une femme, il commence toujours par ce qu'il avait fait à l'origine. Hello. Hi. Est-ce que je peux pousser? Can I push? Alléluia. Alléluia. On va se calmer. Amen. Let's be a little bit quiet. Donc, si tu veux réussir en tant que femme, so if you want to be successful as tu a dois woman, commencer d'abord par chercher les vertus de Dieu en tant que femme. You need to seek the virtues of God as a woman. Vous n'avez pas dit amen. You didn't say amen. Lorsqu'une femme doit se distinguer, when a woman must distinguish herself, elle ne commence pas d'abord par devenir la femme de. She doesn't start by becoming somebody's wife. Elle commence d'abord par découvrir ce que Dieu dit d'elle. First, she discovers what God says of her. Lorsqu'elle découvre ce que Dieu dit d'elle, when she discovers elle what peut God devenir says maintenant her, l'aide dont cet homme a besoin. She can now become the helper that si elle ne découvre me. Pas ce que Dieu a dit d'elle, if she doesn't know what God said of her, elle sera un problème pour cet she homme. She will be a problem for that man. Est-ce que je peux prêcher? Ok. La première identité de la femme. The first identity of the woman. Ce n'est pas être juste le féminin. It's not just be a female. C'est d'être à l'image du côté féminin de Dieu. It's to be at the image of the feminine side of God. Dieu a un côté féminin. God has a feminine side. Puis, regardons dans le texte que nous avons lu avec let's Anna. Read in peut-être the scripture que vous allez mieux read, comprendre. Maybe you'll understand better. Lorsque Anne when Anna est présentée, is introduced, la Bible dit the Bible says que elle est mariée à un homme qui s'appelle Elkana. She's married to a man named Elkana. Et ne pouvons pas faire d'enfants. And not being able to have children. Parce que en Israël, lorsqu'une femme ne peut pas faire d'enfants, in Israel, when a woman après cannot une certaine période, children, after some on time, autorise l'homme à prendre une deuxième femme pour pouvoir faire ce que Dieu a dit, multiplier. Then it will allow that man to take a second wife to be able to multiply as God has instructed. Donc cet homme-là, il aimait sa femme, mais il n'avait pas le choix. So this man loved his wife, but he had no choice. Et si vous lisez bien la Bible dit qu'elle lui a donné 12 enfants. If you read the Bible well, the Bible said that she gave him 12 children. Suivez-moi bien. Dis avec moi 12 enfants. Say 12 children. Et pendant ce temps, elle, and during this time, Anna, elle ne peut pas faire d'enfants. She cannot bear children. Et la Bible précise. And now the Bible says. Parce que Dieu avait fermé ses entrailles. Because God had closed a womb. Est-ce qu'on peut entrer en profondeur? Can we go deeper? Sarah était stérile. Sarah was barren. La femme dit Rebecca était stérile. Rebecca was barren. La maman de Samson était stérile. Samson's mother, she was barren. Mais elle, but elle n'était her, pas stérile. She was not. Dieu avait fermé son ventre. God had closed a womb. Ne confondez pas la stérilité avec la difficulté d'enfanter. Do not confuse barrenness with the difficulty to bear children. Écoutez-moi très bien. Follow me well. Dieu, God, la Bible précise the Bible really que le fait qu'elle ne pouvait pas enfanter, the fact that she could not c'est bear parce children, que Dieu avait fermé ses entrailles. It's because God had closed a womb. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something? Il y a des portes qui sont fermées. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu. There are doors that are closed and it's not due to witchcraft. It's God himself. Maintenant, la question que tu dois te poser. Now the question you might ask yourself. Pourquoi Dieu prend plaisir à fermer ses entrailles? Why is God delighted in closing a womb? Hello. Hi. Dieu ferme ses entrailles. God closes a womb. Pour
l'a poussé à chercher qui elle est en réalité. To push her to find out who she is in reality. Vous savez, on a considéré Peninnah comme le diable. You know, we have considered Peninnah as the devil. C'est elle qui vient pour troubler le foyer et la paix de cette femme. Mais en réalité, woman, tu dois bénir Peninnah parce que Peninnah est une autre côté de Dieu. C'est le côté de Dieu qui vient te frustrer pour que tu te lèves dans la prière. C'est la personne que Dieu met dans ton travail pour t'énerver, pour te pousser à le chercher, à aller plus loin. Peninnah, c'est le côté de Dieu qui vient t'acculer. It's the side of God that comes to frustrate. Et si you. Vous êtes vraiment reconnaissant, vous allez reconnaître que c'est à cause de Peninnah que vous êtes là ce matin. And if you are grateful, you will recognize it's because of the Peninnah. Parce que en marchant avec Dieu, je vais vous dire quelque chose. Because when you walk il y a un God, niveau d'onction que vous ne pouvez pas avoir tant qu'il n'y a pas Peninnah dans there's votre a level of anointing you cannot get to if you don't have lorsque Peninnah tout in va your life. Bien. When lorsque well, tout le monde vous aime, il y a un you, niveau d'onction que vous ne pouvez pas toucher. Parce que la vraie you. Onction est née dans l'opposition. Donc Dieu lui-même s'aime. So God himself closes. Parce qu'il y a une redéfinition qui doit se faire. Because you must redefine yourself. Lorsque when Dieu vous bénit, God blesses you, et que vous aimez la bénédiction plus que lui, and you love the blessing more than him, ça devient un problème. It becomes a problem. Si vous faites l'erreur if you make the mistake, d'aimer votre mari plus que Dieu, to love your husband more than God, il va emmener Peninnah dans le foyer. He will send a Peninnah in this home. Oh, je cherche des gens qui aiment la vérité. Si vous aimez votre enfant if you love your child, plus que lui, more than him, il va venir emmener pour dire Abraham, he will say, Abraham sacrifie-moi cet enfant. Sacrifice this child to celui me, que tu aimes. The one you love. Parce que Dieu ne peut pas accepter because God cannot accept quand toi et lui y a quelqu'un d'autre. Someone between you and him. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Are you following? Donc, ce côté-là fait que so this side makes it so. Dieu God envoie des problèmes will send problems dans la vie des femmes pour the relever leur vraie identité. To reveal their true identities. Esaïe 7 dit la vierge sera enceinte. Isaiah 7 said, the virgin will bear a child. Pasteur Landé, pourquoi il ne va pas chez une vierge qui n'est pas fiancée? Why doesn't he go to a virgin who is not engaged? Oh, il n'y a pas de chrétien ici, Yeshua. Il y a plusieurs vierges en Israël. There are many virgins in Israel. Pourquoi il s'en va chez celle qui est fiancée? Why does he go to the one who is engaged? Alléluia. Alléluia. Il aurait pu aller ailleurs. He could have gone elsewhere. Mais il va chez elle. But he goes to her. Écoutez très bien. Listen. Voilà ce qu'elle dit. This is what she says. Elle a compris. She understood. Qu'elle ne vient pas après Joseph. She doesn't come after Joseph. Elle vient, Dieu vient avant Joseph dans sa vie. God c'est pour ça qu'elle dit qu'il soit Joseph. Fait à ta servante selon. She said, let it be done. Ça veut dire que avant que will. Je ne sois fiancée à Joseph, before je suis la servante de Dieu. Joseph, aussi longtemps que ça n'est pas établi dans ta vie, femme, tu auras toujours des problèmes. This is not established in your life. You always go to hardships, woman. Hello. Hi. Elle dit, she says, qu'il soit fait, let it be done, selon according à ta servante, selon ton plan. To your plan. Ça veut dire que dans sa pensée, meaning in her thoughts, elle sait qu'elle a été créée pour servir she Dieu, pas pour être mariée d'abord. She was created to serve God, not to be married first. Bon, je vais descendre, c'est un peu let trop me fort. Go down. I feel like it's too high. Elle accepte. She accepts it. Lorsqu'elle accepte. When she accepts it. Parce qu'elle n'a pas peur de perdre son fiancé. Because she's not afraid of losing her fiancé. Dieu va rencontrer le fiancé. God now goes to meet that man. Est-ce que je peux dire quelque chose can ici? I say something? Si tu acceptes ta position devant Dieu. If you accept your position, Dieu va venir se révéler au mari que tu entends le God will reveal himself to the husband that you're looking for. Vous ne comprenez pas ce que ça I don't think dit. You follow. Est-ce que Joseph allait voir l'ancien mari n'avait pas accepté?
Ça veut dire qu'à chaque fois que la femme accepte sa position réelle devant Dieu, elle engage le spirituel. Every time a woman accepts a position in front of God, she triggers, she activates the spiritual realm. La Bible dit, Joseph voulait la répudier dans le secret. Joseph wanted to send her back in secret. Est-ce que je peux pousser un peu? Can I push? Yes. Vous savez, lorsque vous ne prenez pas votre position originale, when you don't take your original position with God, vous aurez toujours des problèmes avec votre you homme. Will always have hardships. C'est pour ça que je vais dire aux hommes. That is why I want to tell men. Lorsque vous insultez votre femme, vous vous insultez vous-même. When you are insulting your wife, you are insulting your own self. Quand tu dis, c'est quel genre de femme ça? What kind of woman are you? Toi qui es si intelligent, pourquoi tu as pris une femme comme elle? So why did you take a woman like that? Si tu voyais autant clair, pourquoi c'est elle que tu as choisi? If you donnez-moi un bon amen. Give me a good amen. Quand tu l'as choisi là, Dieu n'était pas là. When you chose her, God was there, right? C'est pour ça que vous devez éviter d'insulter vos femmes. Please avoid insulting your wives. Joseph l'a compris, c'est pour ça qu'il voulait se séparer dans le secret. Joseph understood, that's why he wanted to separate from Mary in the secret. Parce que la honte de ta femme, c'est ta honte en premier. Because the shame of your wife is your shame first. Bon, je laisse ça. Écoutez bien. Listen. Joseph est menuisier. He's a carpenter. Mais c'est à cause de qui il a touché l'or la première fois. But who is the reason why he touched gold the first time? Parce que sa femme a accepté que Dieu l'utilise comme Dieu veut l'utiliser. Because his wife accepted to be used by God as he wanted to. Elle n'a pas eu peur de perdre son mariage pour que la volonté de Dieu se fasse. She was not afraid to lose her marriage for the will of God. Parce que tout ce que tu as peur de perdre, tu le perdras en réalité. Mais tout ce que tu veux garder pour Dieu, Dieu lui-même veillera dessus pour toi. God will watch over it for I'm preaching. Je suis venu vous parler ce matin pour que vous compreniez. Elle s'est connectée directement à sa source. She connected directly to her source. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes font parce que les hommes ont fait. Vous n'avez pas compris. Sadly, the women do because men did. Ta source d'abord, c'est Dieu. Your source first is God. Donne-moi un bon amen. Give me a good amen. Dans la vie de tous les jours, tu es sa femme. In the lives of every day, you are his wife. Mais dans le royaume, tu es la servante de l'Éternel. But in the kingdom, you are the servant of the Lord. Alléluia. Par rapport à ton identité spirituelle, according to your spiritual identity, tu ne dois pas laisser quelque chose venir te distraire. You should not allow anything to come to distract you. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu veux te retrouver sans commencer par Dieu, tu te perds. When you want to find yourself without starting with God, you will get lost eventually. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Tant que tu ne t'es pas retrouvé devant Dieu, tu peux pas être une bénédiction pour lui. If you haven't identified yourself before God, you will not be a blessing for him. Parce qu'il dit, je te ferai une aide semblable. Because he said, I will make you a helper. Ça veut dire qu'elle doit découvrir d'abord son niveau de l'aide là, c'est quoi? She must discover a level of help. What is that? Vous parlez pas. Vous êtes fâché. Are you mad? Alléluia. Alléluia. C'est quoi les bénéfices? What are the benefits? Lorsque la femme se lève dans le spirituel, dans sa vie personnelle, when the woman rises in the spiritual, le spiritual commence à visiter la maison. The spiritual comes to visit the house. Écoutez-moi bien. C'est Elisabeth, non, c'est la femme de, la maman de, comment il s'appelle, de, non, c'est Elisabeth. Jean-Baptiste. Elle est enceinte. Elizabeth was pregnant. N'est-ce pas? Non, c'est pas elle. C'est la maman de Samson. Elle est enceinte. She's pregnant. Samson's mother elle va dire à son mari. She comes and tell un ange est venu me dire. An angel came
to tell, an angel son mari s'en va prier. He goes to pray. Mais l'ange ne vient pas chez lui. But the angel doesn't come to him. L'ange s'en va d'abord chez la femme. First, the angel went to maintenant que l'ange finit de lui parler, elle prend la main de l'ange et puis elle dit allons chez mon mari. She takes the hand of the angel and says let's go to my husband. Si vous pouvez savoir la connexion que vous avez avec Dieu, vous n'allez pas laisser une condition physique venir vous bloquer. Vous avez la capacité d'accéder à Dieu plus vite que nous. Alléluia. Joseph touche l'or parce que sa femme accepte la mission. Joseph is able to touch gold because his wife accepted the mission. Qui a déjà bouffé l'argent de sa femme? Who has already used his wife's money? Demande à Cablan, c'est doux. It's so sweet. Quand tu peux manger l'argent de ta femme? When you can eat up your wife's money. C'est mal doux. Non, vous quand vous mangez là, c'est bon. When you eat every day, vous mangez tous les jours d'ailleurs. Every day dans le jour où on peut manger là, so the day where vous ne savez pas la joie que ça procure. Don't know the joy that we have. Elles ont acclamé le Seigneur. Clap for the Lord. On veut des femmes qui vont s'identifier à Dieu d'abord pour connaître leur source. We need women that will identify themselves to God first to know their sources. C'est les femmes qui pleurent à longueur de journée. The women that are weeping all day. Parce que l'ennemi sait. Because the enemy knows. Si tu enlèves ton regard sur Peninnah, tu vas avoir accès à Dieu. If you remove your eyes on Peninnah, you la Bible dit toutes les années, elle est là-bas en tant que la femme de d'Elkana. For years, she's known as the wife of Elkana. Mais ce jour-là, but that day, elle a décidé de rester. She decided to stay. Quand tout le monde est parti. When everybody left. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you. Je ne sais pas ce que l'amertume crée dans vos vies. I don't know what bitterness mais is au lieu que l'amertume vous life. Déconnecte de Dieu, c'est un moyen que Dieu utilise pour que vous découvriez qui vous êtes en and réalité. Instead of letting it lorsque Dieu you met Peninnah dans votre vie, c'est vous him. Pousser à rester quand tout le monde est parti. When God parce que vous devez life, découvrir qui vous êtes en réalité pour commencer à rentrer dans le plan de Dieu. Quand ton amertume t'éloigne de Dieu. When your bitterness takes you away from God. Tu n'as pas encore découvert qui tu es. You haven't discovered who you are. Alléluia. Alléluia. Tu vas étonner Dieu lorsque tu vas mettre ton mari de côté et accepter d'abord ton identité. You will surprise God when you put your husband to the side and accept your identity first. Le drame avec les femmes, the drama with women, c'est qu'elles ne commencent jamais avec le spirituel. They never start with the spiritual. Elle est prophétesse. She is a prophetess. Femme de. Wife of. Et maintenant juge. And now a judge. Hello. Hi. Il y a un ordre que vous devez suivre lorsque vous voulez régner. There's an order you must follow. One, ça one ne you commence want to jamais par la femme de qui vous êtes, non. It doesn't start with the wife or who you are. Ça commence d'abord par qui vous êtes devant Dieu. It needs to start with who you are bon. Before God. Comme vous ne voulez pas écouter, since c'est you pas don't grave. Want to listen to it. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'elle fait dans la présence de Dieu. Look at what she does in the presence of God. La Bible dit dans 1 Samuel à partir du verset 11. Je dois. Hey. 1 Samuel 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant. She made a vow and said. L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de qui? If you look at the affliction of your maid servant. Ça veut dire que à chaque fois vous allez quitter qui vous êtes pour vous mettre dans votre peau de serviteur, Dieu s'intéresse à vous. Every time you leave who you are to become a servant, God will be interested in you. Mais lorsque vous restez focus sur votre moi, but if you focus on just you, Dieu vous regarde à distance. God will look at you from far. Il dit si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens maintenant de moi, et n'oublie pas ta servante. Ça veut dire que entre le moi et entre servante et servante,
Le moi ne vient jamais devant Dieu. The me between is between two servants. It doesn't come before God. Devant Dieu. Before God. C'est pas ton titre qui compte. It's not your title that matters. C'est ce que tu as à l'origine qui compte. It's what you have at the origin that matters. Je prie que pendant cette célébration des fêtes des mères, tu découvres qui tu es réellement devant Dieu. Si tu découvres qui tu es réellement devant Dieu, tu ne vas pas courir après un homme. You will not run after a man. Parce que tu sais que en toi, tu es réellement une source de bénédiction. You are truly a source of blessings. Lorsque la femme when the woman ne découvre pas qui elle est, doesn't discover who she is, elle devient un problème partout où elle est. She becomes a problem wherever she is. Parce que Dieu sait qui elle est. Because God knows who she is. Satan sait qui elle est. Satan knows who she is. Mais elle-même ne sait pas qui by elle est. By herself, she doesn't know. Tu deviens un champ de bataille. You become a battlefield. Parce que celui qui peut mettre la main sur toi, because the one who can put his hand on you, il peut arrêter le plan de Dieu. Can stop the plan of God. Je vous dis quelque chose. Do you want me to tell you something? Le plan de Dieu se fait toujours avec une femme. The plan of God always happens with a woman. Amen. Oh, bon, d'accord. Hello. Hi. Vous êtes là. Are you here? Donc la fécondité dont il est question. So the moment, fruitfulness here we're talking about. C'est pas la maternité. It's not maternity. C'est pas donner naissance aux enfants. It's seulement. Not to give birth to children alone. Vous avez reçu le même mandat que l'homme de Dieu. You dominer. Have received the same mandate. Je prie que après ce message partout où vous irez, after vous allez imposer cette grâce. Whatever you are, you will use this grace. L'image de Dieu est en vous. The image of God is in you. Il y a un côté de Dieu qu'on doit découvrir quand on te voit. There's a side of God we must discover when we see you. Mais lorsque vous ne comprenez pas, but when you don't understand that, lisez votre Bible. Read your Bibles. Elles ont influencé Dieu. They impacted God. Elles ont imposé à Dieu ce que Dieu lui-même ne pouvait pas faire. Imposed to God what he didn't want to do. Jésus dit, n'allez pas sur ces territoires. Jesus said, do not go to those lanes. Il se retrouve sur ce territoire, la femme vient. He was there and the woman came. Elle lui dit, ma fille est possédée, fais quelque chose. She said, quand vous lisez l'histoire dans Marc 15, la Bible dit que, Matthieu 15, when you read Matthew 15 that les apôtres même étaient énervés. Ils disent, chasse-la. The disciples said, just rebuke her. Mais elle dit, but she said, mon Seigneur, my Lord, il dit, il n'est pas permis de donner les miettes aux chiens. She said, it's not allowed for me to give the crumbles to the dogs. Elle dit, c'est pas grave. She said, it's okay. Je prie que tu prennes cette mentalité là. I pray that you take this mindset. Ou même quand la porte est fermée, tu even n'arrêtes pas d'insister. The door is closed, you don't stop. C'est la nature de Dieu vis-à-vis that de toi. Même quand tu fermes ton cœur, il vient toujours vers when toi. Il frappe à la porte de ton cœur jusqu'à ce que tu acceptes. He knocks at the door of your heart until you accept him. Si c'était toi, tu aurais dit qui est ton chien? If you, it was you, I said who are you treating as a dog? Ça qui tu parles comme ça? Un peu de respect quand même. Just respect. Faut respecter les gens, mon frère. Brethren, mon frère, devant Dieu on est before rien. Before God, le respect que tu veux là, c'est mets-toi à genoux devant Dieu. The respect you want is to kneel down quand before God. Quand il ferme la porte, ne quitte pas, frappe. Just knock. Keep on knocking at the door and jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Until he opens the door. C'est ça le respect. That is the respect. Jésus se tourne, il dit c'est pas grave, tu as gagné mon respect. Jesus turned. Parce que même quand c'était fermé, tu as insisté. Même quand j'ai dit non, tu es resté. Même quand tu pouvais abandonner, tu es resté. Il faut respecter les femmes qui continuent malgré toutes les oppositions. Si cette église est là, if this church is here, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont décidé de rester malgré tout. It's because there are women who decided to stay in spite of everything. Et ce matin, je suis venu pour qu'on acclame très fort and ces femmes qui se mettent à la brèche, qui continuent de prier malgré tout. For this ministry, in spite of everything. Peut-être qu'on ne vous le dit pas souvent, mais maybe on respecte ce que vous faites. You, but we respect what you do. Hello. Hi.
Elle a accepté. She accepted. Et j'ai compris. And understood. Que ce qui fait que Dieu va vers elle. What makes God go toward her? Parce qu'elle développe les caractères de Dieu plus que les hommes. She develops the characters of God more than men do. Quand une femme aime, elle aime sans condition. When a woman loves, she loves unconditionally. Est-ce que je peux parler un peu? Can I talk? Quand une femme pardonne, elle pardonne en réalité. When a woman forgives, she truly forgives. C'est difficile de pardonner, mais quand elle pardonne it's en réalité. It's hard to forgive, but when she forgives, she has surely forgiven. Hello. Hi. Oh. Même quand ils n'ont pas d'enfants. Even when they don't have children. Dans l'histoire de Déborah, nulle part il est dit qu'elle avait des enfants. In the story of Deborah, they never mentioned her having children. Mais elle est devenue une mère pour Israël. But she became a mother to Israel. Frère, je prie femme que vous découvriez devant Dieu qui vous êtes d'abord. Woman, I pray you must discover before God who you truly are. Souvent parce que vous voulez garder ce que vous avez, vous oubliez ce que Dieu dit de vous. Because sometimes you want to et en voulant protéger ce que vous protégez, vous finissez par le perdre. And by wanting to protect what you want to protect, you end up losing it. Moi, je bénis Dieu pour ma mère. I bless God for my mother. Parce qu'il n'y avait pas plus impoli que moi. There was no one more rude than me. Comme Jésus, je l'ai dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? As Jesus, I looked at her and I said, woman, what is it between you and I? Vous là, écoutez-moi bien. Listen to me, you. Vous devez bénir le Seigneur pour votre maman. Bless the Lord for your mom. Parce que malgré votre impolitesse, elle ne se met pas à votre niveau. Because in spite of your rudeness, she doesn't put herself to your level. J'ai découvert tellement de vertus dans les mères, les femmes. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. I've discovered so many virtues in women, in mothers. C'est comme say, wow. Si Dieu lui-même, il prend plus plaisir du côté féminin, même du côté masculin. Is that God delights more in His feminine side les than vertus, the masculine les caractéristiques side. De Dieu, lorsqu'il s'agit du côté féminin, sont plus que celui des hommes. The side of the virtues of the feminine side of God are more numerous than the masculine side of God. Et c'est là j'ai compris. That's when I understood. Lorsque la femme prend sa position réelle spirituelle devant when Dieu. When a woman takes a real position before God, a spiritual Dieu position. Se reconnaît en elle directement. God will recognize himself in her directly. C'est pour ça que quand la femme syrophénicienne. That is why when the Syrophoenician lady est venue vers Jésus. Went to Jesus. Il était obligé de faire ce qu'il avait interdit aux apôtres de faire. He had to do what he had forbidden the apostles to do. Parce que quand en parlant de sa fille. Because when talking about elle est en train de dire à Dieu, toi aussi tu as une fille qu'on appelle Israël. If she was telling God, you too have a daughter named de la Israel. Même manière dont malgré tout ce que Israël faisait, tu es resté jusqu'à tu as envoyé ton propre fils. Ainsi, souviens-toi de ma fille. Jésus la regarde comme ça. Take off my daughter that way too. Elles ont des manières de parler à Dieu. They have ways of talking to God. Mais elles réussissent seulement lorsqu'elles peuvent détourner leur regard sur ce que Peninnah fait en réalité. But they are only successful when they can take their eyes away from Peninnah. Sa jalousie, c'est pas contre toi, c'est pour que tu ailles chercher Dieu encore. A jealousy is not for you, it's for you. Le to jour seek tu God décides more. Que ça, ça va pas m'enlever ma joie, tu te présentes devant the Dieu. Day you decide that this will not take mais lorsque ces choses déterminent ta condition vis-à-vis de Dieu, c'est que tu n'as pas encore grandi. But when you let that determine your condition before God, you have not grown up yet. Je prie que quand tu sors d'ici, I pray that when you leave this place, tu regardes Peninnah et puis tu ris. You look at Peninnah and you just smile. Peninnah, c'est tous les combats qui te poussent à aller vers Dieu. Peninnah, it's all the battles that make you go toward God. Lorsque Dieu lui a donné l'enfant, est-ce que vous avez entendu parler de Peninnah? When God gave her Samuel, have you heard about Peninnah anymore in the story? Ça veut dire que sa mission venait de finir. Her mission just ended. Parce que sa mission c'était pour que elle révèle à Anne qui elle est réellement devant Dieu. Her mission was for je prie Dieu que quand tu sors d'ici, tu aies l'identité réelle de qui tu es. When you leave this place, you have a true identity before God. Lorsque sa mission est finie, c'est fini. When her mission was over, it was over. Je refuse que tu restes au même niveau spirituel. I refuse for you to remain at the same spiritual level. La bénédiction pour que l'homme devienne riche, tu l'as aussi. The blessing for men to become successful or wealthy, you have it too. Il les a bénis au même titre. He blessed them at the same level. Et après, il les a créés.
after what he created them. Donc la première identité de la femme, c'est celle qui est spirituelle. The first identity of the woman is the spiritual one. J'ai pas le temps de parler de l'autre identité physique. I don't have the time. C'est dans l'identité physique que Dieu exige la soumission. It's in the physical identity that God requires submission. Mais si tu ne sais pas qui tu es dans le spirituel, but if you don't know who you are in the spiritual, il te sera difficile de te soumettre dans le physique. It will be hard for you to submit in the physical. Que l'Éternel vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. J'ai dit que l'Éternel vous bénisse. May the Lord bless you. J'ai dit que l'Éternel vous bénisse. May the Lord bless you. Que vous devenez ces femmes que Dieu a créées à l'origine. God has created at the origin. Tenons-nous debout. Let's rise. Je veux que tu pries pour toi-même, femme. I want you to pray for yourself, woman. Si ce n'était pas à cause de Penina, if it wasn't for Penina, tu serais partie. You would have left. Vous savez, lorsque vous n'avez pas encore eu un vrai problème, you know, when you haven't had a real problem, vous pouvez sortir de votre closet. You can leave your closet, your prayer room. Mais quand vous avez un sérieux but problème, when you have a serious problem, ce problème active ce côté de Dieu en that vous. That problem will activate the side of God in you. Je prie simplement I simply pray que vous devenez ces femmes que Dieu a créées à l'origine. That you may become those women that God created at the origin. Vous n'avez pas dit amen. I don't think you said amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Can we pray together? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, révèle-moi ma vraie identité spirituelle? Can you say, Lord, reveal my true spiritual identity? Je vous entends pas prier. Say, Lord, reveal my true identity. Révèle ma vraie identité. Reveal my identity. Father God, I want to bless you. Yes. To bless you for this message. I want to bless you for I have now understood, Father, I have to rise.